Bonjour chers spectateurs, sur le chantier du BTOI Sauvelmash, de différents travaux sont actuellement effectués. Le traitement anti-incendie des structures métalliques se poursuit. Un ensemble de travaux est en cours pour fermer le circuit thermique du bâtiment. Le revêtement des escaliers antérieurs et l'installation des escaliers de secours sont également effectués. À ce jour, des travaux ont déjà été réalisés sur l'installation de tous les châssis de fenêtres, des grilles de ventilation, des visières et des systèmes de drainage de l'eau de pluie. Il reste à terminer l'installation des portes. Pour procéder à ces travaux, les ouvriers du bâtiment devront d'abord couler la dalle de béton du rez-de-chaussée et ensuite ils commenceront l'installation des cloisons intérieures. Cependant, à ce jour, le socle est entièrement réalisé. Maintenant, les ouvriers préparent le début des travaux d'imperméabilisation du sol du rez-de-chaussée, après quoi la chape sera coulée avec du béton. Au deuxième étage, l'installation des cloisons intérieures se poursuit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez aussi sur j'aime pour cette vidéo. Au revoir.